Salut à tous les Marseillais, on commence par le sujet. Quelle équipe on a au tirage au sort? On joue contre Karabag, une équipe d'Azerbaïdjan. Alors, l'aller, c'était à Marseille, le retour, c'était à Karabag. Mais bon, attention, parce que le retour, c'est loin. C'est loin. Donc les joueurs vont être fatigués. Et oui. Et on a vraiment intérêt de passer. Ils sont premiers de leur championnat. Mais bon. Ah, ils se sont pris 3-0 dernièrement. J'ai perdu l'équipe. J'ai regardé. Mais oui, c'est vrai qu'ils sont pas. Enfin, ils ont pris une tollée pour un dernier match de Ligue Europa Conférence. Donc franchement, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Karabag, je connais pas. Mais le Français qui avait perdu contre eux. C'est Lille? Bon, bah écoutez, nous on le fera pas. On ne perdra pas contre Karabag. On va passer le tout. On va aller en huitième de finale. Karabag, on va vous passer. Ensuite, il va falloir aller avec de bonnes armes quand même. Hein, par contre, on a la légère, parce qu'un match de coupe, ça joue à fond. C'est comme le match là contre Canet-Rocheville. C'est pareil, il va falloir y aller. Comme mon avis. Vraiment, vraiment, falloir. C'est aux alentours, je pense, du 15-30 février, par là. Je pense que c'est dans ces semaines-là. Donc ces semaines-là, c'est à peu près par là, je crois aussi, qu'il y a le retour, enfin, qu'il y a la Coupe de France le prochain tour. Mais bon, en parlant de ça, il faut déjà se qualifier avant. Donc Karabag, il va falloir y battre. Enfin, battre Karabag. Donc, il va vraiment falloir au Vélodrome mettre pas mal de buts, s'imposer 3-0, et à la limite, là-bas, faire tourner Molo sans prendre à la légère le club adverse et l'équipe adverse, bien sûr. Mais on fait tourner comme contre Strasbourg, histoire de perdre 1-0 ou alors de maintenir le match à 0-0, histoire de se qualifier. Sans bousiller de force maîtresse. Tu vois ce que je veux dire, comme Payet, comme Guendouzi, comme Gerson, comme Mimic. C'est le moment, par exemple, de mettre Mandanda, par exemple, ce que je pense. On pourrait mettre aussi Leonardo Balerdi. Alvaro, on va voir si c'est Caleta-Caro ou Alvaro qui est titulaire. À voir. Ou alors les trois. Alvaro, Caleta, Balerdi. Au milieu, faire tourner aussi, hein, important, avec Harit. Avec Firola. Roger, d'ailleurs, je pense qu'il jouera pas parce qu'il a le carton rouge. Mais vous voyez, faire tourner, quoi. En attaquant Dieng. Ou alors un joueur fou numéro 9. Avec Lucien Riquet, Conrad. Voilà, hein, franchement. Vraiment faire tourner. Je pense vraiment c'est ce sera essentiel après. C'est ce que je pense. Enfin, ce que fera Roré. Et bon, franchement, pour moi, faut vraiment qu'il la joue comme ça. Et je pense qu'il va la jouer comme ça. Parce que je sais pas sur qui la journée de championnat avant ou après on joue. Mais tant vous dire que c'est important. Que là, bon, on va la gagner. Ligue Europa Conférence, il faut la gagner. Faut pas que Rennes la gagne ou un autre club. Que ce soit nous, pour être à jamais les premiers, bien sûr. Alors, ok, ça serait ça, ça reste la Ligue Europa Conférence, mais on serait quand même les premiers à l'avoir. Mais là, c'est encore mieux. Les premiers du monde. Et oui. Des champions, on est le premier avec ce nom-là, bien sûr. Donc, c'est très important. Vraiment. Pour le club, parce que, hein, faut pas croire que là-bas, Longoria, dans les bureaux, il dit pas, bon, bah, on fait pas la Ligue Europa Conférence. Ah non. Là, c'est on y va à fond, on joue, on met tout ce qu'on a, on va la gagner, cette coupe. Pour le club. Pour l'image du club.
Important, très important. Bon, allez, j'ai écouté à LOM. On va les taper, on va faire ce qu'il faut. Et puis, bien sûr, on va la gagner, cette coupe. Avec le couteau entre les dents, à fond, avec la grinta.